Voilà, la chambre El Witchy à l'hôtel Legado Mitico de Salta. Donc, c'est pas l'entrée de gamme. Je crois qu'on est sur une chambre supérieure ou ça doit être la deuxième catégorie. Donc, 20 ou 30 euros supplémentaires par nuit par rapport à la Capitana, qui est une des chambres de la catégorie d'en dessous qu'on vous présente aussi sur Silencio. Et en fait, ce qu'on se demandait, c'est comme toutes les chambres sont uniques et qu'il y a quand même des catégories, c'est est-ce qu'il faut mieux mettre un peu plus cher et réserver au-dessus? Bah, a priori, celle-là est très sympa. Elle est plus chère que la précédente, mais en fait, elle n'a pas forcément plus d'atouts. Donc, elle est très grande. Effectivement, il y a un coin salon supplémentaire qui lui donne un côté junior suite. Mais après, le patio est très bien. Salta, enfin, je veux dire, il y a les principaux restaurants et bars sont à 5 minutes à pied. Donc, bon, côté salon, pourquoi pas, mais sans plus. Ce qu'on a remarqué en revanche, donc le mobilier est toujours local. Il y a plein de touches dans l'hôtel comme ça. Enfin, il y a un vrai caractère. Par contre, la salle de bain est peut-être un peu plus petite que la précédente, mais ça ne joue pas à grand-chose, avec toujours les produits en grand contenant, ce qui est vraiment bien, surtout quand on est une fille et qu'on veut se faire des vrais après-shampoings et pas se battre avec 10 millilitres en petit sachet. Par contre, il n'y a pas de balcon, alors que bizarrement, la Capitana, donc une des chambres de base, on va dire d'hôtel qu'on avait testé juste avant, à une terrasse qui est pas immense mais qui donne côté ville et c'est pas forcément bruyant pour autant. Donc voilà, à choisir en fait, sauf si vous voulez vraiment plus d'espace, mais l'autre est grande aussi. C'est pas grave si vous prenez pas forcément les catégories supérieures ici, surtout que voilà, les gâteaux mythicaux, il a quand même beaucoup de cachets, il est placé en plein centre-ville, très sympa, il y a plein d'œuvres d'art, des salons et bibliothèques en bas. Et voilà, donc pour le côté pratique, alors oui, voilà, on vient de le voir, il y a un écran lecteur DVD, mais bon, vous êtes en Argentine, j'imagine que vous faites autre chose. Mais voilà, il y a enfin, Internet partout, le petit déj est vraiment canon, avec des spécialités de la province. Enfin, c'est, en fait, il y a toutes les bases du classique, mais en plus avec des petites pâtisseries maison, ce genre de choses. Donc c'est vraiment une adresse au top à Salta. Voilà, donc ça c'était pour la chambre El Witchy, qui est la deuxième catégorie. Je crois, sachant que je crois que la plus chère aussi, si vous voulez vraiment mettre le paquet, aura cette fois carrément une sorte de petit patio privé. Donc c'est à vous de voir, mais il n'y a aucun piège en fait de ce qu'on a vu sur n'importe quel type de chambre.